Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de Civilization 5, Brave New World. Bon, 2018. Mon problème, c'est toujours l'Empire japonais, qui, bien que nous soyons pour l'instant en paix, se trouve être assez menaçant. Donc je me dirige doucement pour faire des stades avec ça, c'est pas mal. Avec réfrigération. Bratislava. Ouais, non, là je peux plus, hein. Il faut que je me méfie au niveau argent. Donc là j'ai trois pièces du vaisseau spatial qui vont bientôt se terminer. J'en ai une quatrième qui est en cours ici. Breda, Kiev et Sidon, est-ce que l'une d'entre elles... Non, elles n'ont pas de... Si, peut-être Sidon pourrait participer à la construction du vaisseau. Et sans maison, entouré d'un millier de foyers, je me trouvais. Entouré d'un millier de tables, je dépérissais, manquant de nourriture. Donc la plateforme offshore augmente la portée des routes commerciales. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non-prolifération des armes nucléaires. Aucune civilisation ne peut construire d'armes nucléaires. Mais les armes déjà existantes ne sont pas démantelées. Ça, c'est pas mal. Promulguer dans ce projet de station spatiale internationale. Donc, le gagnant, une merveille apparaît dans la capitale, production de scientifiques plus 1 et sciences d'ingénieurs plus 1, les savants. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils veulent? On s'en fiche. La station spatiale, bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas tellement envie d'y consacrer de mon temps, tout simplement. J'ai plein d'autres choses intéressantes à faire. Mais bon, de l'autre côté, il va me falloir un peu de temps avant que je débloque les dernières sciences permettant d'accéder au vaisseau. J'ai pénicilline qui permet d'avoir les fusiliers marins, le laboratoire médical... Ça augmente la croissance de ma ville. Et une route commerciale supplémentaire. Pas mal, une route commerciale supplémentaire. Donc, lui, il allait vers où avant? Tokyo. Pour 21. On va aller vers Memphis. Donc, Sophia a terminé un porte-avions. Donc, elle va continuer par des avions. Pour aller dans le porte-avions. Transporte deux aéronefs, donc on va mettre des bombardiers à l'intérieur du porte-avions. Pas sûr de les voir en action, mais ma flotte de guerre là, d'ailleurs, si possible, j'aimerais ne pas la voir en action. Très calme. Il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi est-ce que le crabe, je ne l'exploite pas? J'aimerais bien avoir un autre âge d'or avant la fin de la partie, histoire d'avoir un dernier boost, notamment sur la production industrielle.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux arrêter ici? 3 de nourriture, 1 d'or. Il faut l'aménager. J'aurais dû le faire depuis longtemps, ça. Faire un bateau atelier. Allez, ça coûte rien du tout, un bateau atelier. Franchement. Là, il y a des perles. Les perles, je les exploite, je crois. Hein. Non plus, mais c'est formidable, dites-moi. Ah non, les perles sont... Les perles sont bannies. Enfin, sont interdites, je crois. Voilà, aucun bonheur pour perles, teintures et fourrures. Évidemment, c'est des ressources que j'ai. Sinon, il lui faudrait combien de temps pour faire un bateau atelier? Un tour, allez, hop au boulot. Du poisson, du poisson, du poisson. En verre m'échappe, tant pis. Hein. Là, on va laisser un peu tomber. Je vais me concentrer mon argent sur. Alors, bateau atelier. Voilà. Donc le module de stase, il y a déjà quelqu'un qui le fait, non? Il fait la cabine, lui. Sinon, on n'a pas une production suffisamment intéressante. On va faire un bombardier aussi. Voilà. Donc, non-prolifération des armes nucléaires, ça me va, puisque j'en ai plein. D'armes nucléaires. Donc, ça me va d'empêcher les autres d'en construire. Là, j'ai mon porte-avions qui est terminé. Ma flotte de haute mer. Si nécessaire, elle peut frapper Osaka assez violemment. Très bien, on va avoir la pénicilline qui me fait une route commerciale supplémentaire au moment où Amsterdam va terminer ici, donc c'est très bien. L'homme n'est jamais tant l'égal des dieux que lorsqu'il soigne l'homme. Donc la station spatiale est promulguée. Alors, là j'ai des fusées de lancement, donc on les ajoute au vaisseau. Voilà, donc c'est un premier élément. Donc là, tout le monde est alerté que j'ai commencé à construire le vaisseau. Donc je peux passer un tour à faire un bateau atelier. Ou partir sur la station spatiale internationale. Non. Non. Je vais profiter de ce temps où certains vont faire ça pour avancer le plus vite possible vers le module de stase. Qu'est-ce qui me manquera comme, comme élément pour le vaisseau? Le moteur. J'en ai encore pour un moment avant de le finir. Par contre... Ceux qui bossent sur la science actuellement, ils vont y aller, histoire de récupérer au moins un petit peu de cet avantage. Notamment Rotterdam, je pense, va
participer à la construction de la Station Spatiale Internationale. Il y a des lance-missiles qui s'affrontent. Donc je ne suis plus ami avec Anvers. Rotterdam doit lancer un nouveau projet de construction. Donc Station Spatiale Internationale. Avec ma foi, je vais pouvoir acheter un scientifique illustre normalement. Non, savant illustre, faut 1500. Mais on va patienter jusqu'à l'avoir. Portail religieux, achat automatique, savant illustre. Voilà. La cabine du vaisseau spatial, je l'envoie à Amsterdam. Et je l'ajoute au vaisseau spatial. Et là, donc, on va faire ça. Voilà, qui me fait du bonheur avec le crabe. Ce que j'aurais dû faire depuis des siècles. Donc, écologie va me permettre d'avoir les centrales solaires, c'est pas mal. Ça fait du bonheur et de la production. L'opéra de Sydney fait une doctrine sociale gratuite et de la culture. Je pense que je vais faire l'impasse. Et le centre de recyclage, ça c'est pas mal, je peux en faire plusieurs et chacun me donne deux unités d'aluminium. Quand on n'a pas d'aluminium, qu'on n'a pas eu de chance, ça permet d'en produire à partir de rien du tout. Donc là j'ai un navire marchand, on va continuer à faire des sous, avec des cités-états. Non, peut-être avec le Siam, marqué. Pas avec le Japon parce que ça suffit. Erevan, ah non. Ah non, pas Erevan. Quoique... Alors, le Japon est la première civilisation dont la culture parvient à influencer un autre joueur. D'accord, donc ils ont des chances d'avoir une victoire culturelle. Une culture de Bredoxel est en charge d'une nouvelle muse. Donc, je voudrais envoyer de la production vers Amsterdam. Voilà. Qui me fait gagner un tour. Ça peut paraître peu, mais n'oublions pas que dans Civilization, la plupart des choses à faire dans le jeu, c'est d'arriver rapidement à un objectif. Donc un tour de moins, c'est un tour de plus que je pourrais consacrer à une autre tâche. Surtout que je vais peut-être avoir des scientifiques illustres bientôt entre mon... la religion qui va me permettre d'en avoir et leur naissance normale. Donc ça va... C'est drôle, je perds plein de cités-états. Le tourisme. Donc là j'ai un bombardier qui est fini. Donc eux ils vont participer à la station spatiale. Donc la fusée de lancement. On l'envoie vers Amsterdam. Ah, ici on a un bombardier, donc on va le rebaser dans ce bateau. Voilà, il est à bord de ce porte-avions. Choisir une construction. Donc là on a fini une fusée de lancement. Donc tout de suite j'ai pas d'autres pièces du vaisseau à faire, je crois. Donc non, donc on va bosser sur la Station Spatiale Internationale.
D'accord, donc ils sont contents de faire du tourisme. Enfin, de marquer des points de tourisme. On en est à 25%. Moi, j'ai contribué à 455, donc j'aurai déjà le bonus de recherche. Alors, il s'en passe des choses. Donc toi, tu vas rester là, dormir. Donc, les élections en Antananarivo ont été truquées. Très bien. Les élections en Anvers ont été truquées. Très bien. Donc du coup, Anvers est mon ami. Les élections à Erevan ont été truquées. Très bien. Les élections à Monaco ont été truquées. Très bien. Je suis même allié avec Monaco. Oh bien. Ce qui me donne du coton. Dirigeant mondial. Oui, ben... Faut pas que le Japon soit élu, c'est tout. Oui, dénoncez-vous, dénoncez-nous. Je ne vous crains point, amis russes. Donc Hormuz, elle est plus facile à contrôler, enfin à corrompre. Histoire de Raguse, ouais. Alors, nous sommes atteints 44%. D'accord. Ok, continuons. Bon, soit les Japonais sont épuisés par leur guerre, soit mon rideau défensif est efficace. Personne ne s'en est prêt à moi. Oh, Gustave Adolphe a attaqué le projet Manhattan. Ah, fini le projet Manhattan. Mais comme les armes atomiques ont été interdites, ça lui sera inutile. Le décret de non-prolifération des armes nucléaires lui empêche d'en construire. Bon, c'est pas la fête au pognon, ceci étant dit. Donc, on va déplacer ça au porte-avions. Voilà. Très bien. Donc là, on a le bombardier qui est terminé. On va aider à la station spatiale. C'est pas la fête au pognon du tout, même. Mais bon. Théoriquement, j'en aurais plus besoin. Donc là, il y a des fusées de lancement. Il va falloir quand même les escorter, parce qu'elles vont devoir traverser la mer. Donc je pense que je vais faire une ligne de défense avec mes navires. Le Japon ne doit plus influencer que deux autres civilisations pour remporter une victoire culturelle. Il va falloir commencer à faire vite pour les pour le vaisseau spatial, là. J'oublie que j'ai une route commerciale de disponible aussi. Sur toute l'échelle du temps, ce n'est qu'au siècle présent qu'une seule espèce, l'homme, est devenue assez puissante pour altérer la nature de son monde. Et oui, on attaque les télécommunications pour le sous-marin nucléaire, l'embryalité aérien, la tour de radiodiffusion, l'Office national du tourisme. Les Russes nous volent des technologies. En vert, je suis en train de les perdre. Amsterdam, dès qu'elle a fini son module de stase, comme elle ne pourra pas encore faire le dernier élément du vaisseau, puisque je n'ai pas la technologie, fera un nouveau bateau de commerce pour relancer un peu le commerce, parce que l'argent, là, bon, quand même.
va pas très bien. Terminé. Oh merde, je suis deuxième. Excusez-moi, je suis deuxième. Donc, ça me fait quand même un scientifique illustre et un bonus de recherche. C'est quand même pas désagréable. Hop. Plus nous développons nos moyens de communication, moins nous communiquons. Ok, donc on va vers tactique mobile qui me permettra de faire l'infanterie mécanisée. Et après, on aura la physique des particules. Très bien, le projet de station spatiale internationale est terminé. L'art prospère en vert, ils ont besoin d'un guide culturel, on s'en fiche. Donc là, je vais me proposer moi comme dirigeant mondial. Donc, Sophia. Je réfléchis. Est-ce qu'il vaut mieux faire des stades pour le bonheur ou de la recherche pour aller un peu plus vite. Donc, 38. ...1059... ...1070... Ça fait quand même un sacré bonus en science, hein, de passer toutes mes villes en science. Ça me fait quand même pas gagner un seul tour. Donc non, c'est un mauvais plan. On va faire un stade. Ici aussi. Voilà. Ça devrait m'apporter du bonheur. Le module de stase va être fini, donc je vais pouvoir faire un autre navire de commerce. Récupérer un peu d'argent, parce que là, ça va quand même très mal. Et avec les stades, ça ira encore plus mal. Mais bon, ça devrait me permettre de rusher un âge d'or. Et de finir plus vite les dernières technologies. Donc il n'y a pas eu de dirigeant mondial, très bien. Donc là on a un navire marchand qui va retourner vers Amsterdam, puisque c'est là où il y a le caravansérail. Qui booste les revenus de mes bateaux marchands. Tour 457, on s'approche quand même très sérieusement de la fin du jeu. Maintenant, donc je vais m'arrêter en 2030. Oh là là, les Siamois ont fini également le programme Apollo. Bon, j'ai quand même, je pense, beaucoup d'avance. Parce que j'ai déjà fini plusieurs éléments. J'ai fini la cabine, deux fusées de lancement, le module de stase, là. Donc le programme Apollo est terminé par le Siam. Voilà, donc lui, il va aller faire des sous. Allez, on va même aller chez les Japs. Pas de problème.
Le module de stase est terminé, donc on va faire un nouveau navire marchand. Voilà. Et là, on ajoute le module de stase au vaisseau. Donc si je vais dans portail victoire, condition de victoire, voilà, il me reste une fusée de lancement et le moteur. Et de toute évidence, la partie la plus compliquée d'un vaisseau interstellaire, c'est le moteur. Bon, les fusées de lancement vont être terminées ici très vite. Ok, donc Erevan, mes relations diminuent. Donc là, un stade va peut-être pas être trop long à faire. Je regarde que j'ai assez d'aluminium pour pas me retrouver coincé à la fin. On va aller faire des sous. Voilà. Allez, tour suivant pour le dernier tour de cette vidéo. Qui en plus va m'apporter une nouvelle doctrine. Donc Anvers est contente, ça me rapporte du bonheur. Très bien, une utilisation impressionnée Wellington. Bon alors, donc je peux faire ça pour avoir plus 4 pour mes routes commerciales, donc gagner beaucoup d'argent. Ou bien, donc, augmenter le tourisme. Rideau de fer. Un terminal gratuit pour chaque ville. Les routes commerciales génèrent 50 de nourriture et de production. Pionnier du vol spatial. Les ingénieurs peuvent finir la construction de pièces du vaisseau spatial. Ça, c'est pas mal. C'est même très bien. Voilà. Donc, l'ingénieur. Bim. Tactique mobile. Les hommes peuvent comprendre les tactiques derrière mes conquêtes. Mais ce que personne ne voit, c'est la stratégie d'où vient la victoire. Très bien, donc là j'ai un ingénieur illustre que je vais garder en réserve, qui va me permettre, dès que j'aurai la physique des particules, de finir le vaisseau spatial en vitesse. Eh bien écoutez, je pense que je me dirige cette fois-ci vraiment vers la fin de la partie. Je vous dis ça à chaque fois depuis plusieurs vidéos. Mais là c'est la dernière ligne droite, puisque le dernier élément est ici. Là j'ai quasiment terminé les fusées, et j'ai un ingénieur pour rusher la production, donc ça devrait pouvoir se finir très vite. Il va falloir maintenant que je me méfie de ne pas subir un rush militaire de la part d'une autre nation. Je vous dis à bientôt pour ce qui sera sans doute la dernière vidéo de Civilization 5. Bye!